Jodi a mwen pral pale ou de 5 bagay pou konnen lò vle achete kay. Wana jodi a nou gen opportunite pou nou kapab pale ou de 5 bagay ou dwe konnen lò vle achete kay. Gen pil moun a koz kòb y ap peye nan loye kay a ple de augmente, yo santi nan moman sa se yon nesesite pou yo achete prop kay pa yo. Parce que yo réalisé de jour en jour loyer kay ap monté tête nek et ajouté à cela chaque fois yo payé loyer kay yo yo réalisé c'est yon kob ki tout perdu en pile nan moun sa yo malgré prix kay yo ap augmenté et intérêt kay yo bien haut yo senti nécessité pour acheter propre kay pa yo. Ou même si ou ap gade vidéo ça, bien sûr, c'est parce que ou vle konnen ki 5 bagay ou dwe pran en compte les ou vle acheter yon kay ici aux États-Unis. Ou même ki pa gen 250 à 500 000 dollars sou kane bankou, si ou vle acheter kay kounye a, ou pa ka jwenn assez moyen nan men pou ou paye kay ou pral acheter a l'argent kontan. Ou pral besoin al côté yon bank, yon mortgage loan broker, yon officier ki bay loan sou kay pou kapab edo kalifiye jwenn l'ajan prete pou achete kay ou vle achete a. Sa vle di, majorite moun kap achete kay pou yo rete, yo oblige jwenn yon institution ki d'accord prete yo yon kantite l'ajan pou yo achete kay yo souhaite achete a. Problème ki pose, pa gen aucune banque ka prête l'argent si ou pa respecte quelques critères yo établi à l'avance pour ça. Critères sa yo servi pour banque yo des paramètres ka permettre yo konnen est-ce que yo capable faire confiance pour prête l'argent pour acheter kay ou désirer acheter. Avant même ou aller côté yon banque ou bien yon mortgage broker pour edo konnen si ou ka acheter yon kay, mais 5 bagay ou dwe prêter attention à yo même. Lè ou vle achete yon kay, premier bagay ou dwe konnen, ou dwe chèche konnen exactement combien revenu total ou yé par mois. Combien kob brut ou fè par mois. Si ou ke ou ap achete kay sa avec un moun, ou dwe non seulement konnen combien kob ou fè par mois, kon sa tout ou dwe konnen combien kob moun sa brut, gros pay moun sa fè par mois. Et puis ou ap mette yon ensemble pour capable calculer eh bien combien kob nous tous les deux fait par mois. Li facile pour konnen combien kob ou fait par mois. On prend combien kob yo paye ou par heure, multiplie le par combien heures de temps au travail dans yon semaine et puis résultat ou jwenn nan multiplie le par 4. Ça a ba ou montant ou bien combien kob ou travail nan yon mois. Sou ap achete kay la avec yon moun, moun n'a fait même jan tout pour nou capable rive mettre l'argent sa yo ensemble pour nous connait combien kob nous tous les deux fait par mois. Kob brut comme revenu total brut ou fait par mois li edo calculer ki pourcentage dette ou gagnen yon pati nan montant comme ça ka couvri en passant ki te mdou kounye a en 2023 ça eh bien revenu total en moyen yon moun aux États-Unis eh bien li 67521 dollars si que ou son moun ki a vive avec yon partner nan kay madame Marie eh bien statistique montre que revenu total ki rentre nan yon kay mois en moyenne c'est 80440 dollars. Pour yon moun c'est 67521 mais pour deux moun eh bien c'est 80440 dollars. Ça veut dire c'est si deux moun a vivre dans kay faut souvent yon gen ti moun là yon a travail l'autre la pa kal travail tout ça yon prend en considération lorsque yon a établi combien kob ou household income nan lié. Premier bagay mwen dou lorsque vous voulez acheter kay ou dwe konnen combien kob ou fait par mois. Et deuxième bagay pour chercher konnen, c'est kay ki prix ou vle acheter. Prix kay la, c'est quantité l'argent ou ap d'accord payer pour acheter yon kay. Konnen ki prix ou vle acheter kay la, li important pour ou parce que prix kay la edo déterminer trois bagay. Premier bagay li permet ou déterminer c'est combien kob down payment ou besoin.
Ça veut dire prix qu'il a permettre ou connaît combien cop down payment ou a besoin. Gain des loan on va le prendre en conventionnel loan on cap prendre 3%, ça veut dire tu va pral gain 3% de cop qu'il a. Si que crédit pas bon ou a prend FHA, eh bien on capable monter à 3.5%, on a besoin 3.5% de cop qu'il a et qu'on ça tout cap prendre 5%. Lorsqu'on connaît qui quantité qui prix qu'il ou a acheté, eh bien ça permet de que ou ca connaît exactement combien d'aron payment, combien cob ou doit serrer pour capable bailler d'aron payment. Non seulement prix kaila et do qu'on est déterminé combien cob d'aron payment ou besoin, li permettre que tout ou qu'on est combien owner insurance là insurance ou capable bailler. Il permet ou qu'on est et qui montant à peu près assurance kaila capable bailler. Même si prix compagnie chargeau pour le bas ou yon owner insurance, ça veut dire assurance pour Kaila, li dépend de trois facteurs ça yon bral di ou la. Trois facteurs yon, c'est côté Kaila yé, combien kob pour yon remplacer Kaila si yon bagay rive, et qui niveau de docteur bo ou genyen, même si c'est sous trois bagay sa yon, assurance yon basé pour charger ou combien yon chargeau pour owner insurance là. Mais ça qui est important, hein, c'est que assurance Kaila en général li lié à prix Kaila ou acheté à vous. Ça veut dire plus haut Kaila ou acheté à vous, c'est plus haut assurance ou à pied. Li vraiment lié à valeur Kaila ou acheté à. Non seulement prix Kaila permet ou déterminer down payment ou sous Kaila, non seulement la permet ou connaît à peu près combien assurance Kaila comme assurance là a monté, eh bien li permet ou connaît tout combien property tax ou capable prix Kaila ou ap acheté en majorité toujours égal à valeur Kaila vous dans moment ou ap acheté là. Et ça ou doit songer property tax là dépend en pile de montant Kaila ou ap acheté à vous. Ça veut dire plus si plus ou ap achete ton caille qui pire au prix qui gagne en appréso qui pire, et bien c'est plus ou pral payer sous property tax. Pour moyen yon caille en 2023 ça aux États-Unis, et bien c'est $436,800. Donc ou même qui a pas acheté caille ou pral chercher descend plus bas pour permettre que ou capable joindre un caille descend pour acheter et puis ou capable payer mortgage caille. Troisième bagaille ou doit connait lorsqu'ou voulez acheter un caille ou doit chercher connait combien crédit score ou yé. Credit score ou c'est sous li lender a pral basé pour passer intérêt ou sous l'argent ou a prêté dans main là. Depuis c'est dans domaine mortgage acheté kay ou yé, gagnent 10 bracket credit score ou capable. Et bracket ça yo déterminer combien risque ou représenté pour banque là ou bien pour créditeur là ou bien pour lender a cap prêté comme là. Ça veut dire ou même qui besoin acheter kay, quel que soit moment ou besoin acheter kay là ou bien ou besoin refinance kay, quel que soit ça lié, ou doit chercher connait dans qui bracket ou yé. Moi dit que gagnent 10 bracket dans credit score. Et premier bracket là que moi m'a parlé aujourd'hui a, eh bien il trouvé credit score a trouvé entre 580 à 619. 580 à 619, depuis c'est monde qui gon credit score qui pi bas de 620, eh bien fort souvent monde ça pas ka acheter kay a tout pour le bayon down payment 3%, l'a obligé à prendre plutôt yon FHA loan, et loan ça mandé pour pi petit monde nan kabab bay c'est 3.5% comme down payment. Si credit ou pas bon, eh bien li moins que 620 est bon tomber dans bracket ça qui c'est bracket moun crédit pas bon yo, moun qui pa gen crédit bon crédit yo même. Donc moun sa yo, eh bien ou pral obligé, eh bien à payer yon FHA loan nan banan map di sa li gen avantage li konsa tout li gen désavantage li tout n'a gen pour ne parler ça non l'autre. Donc premier bracket ou ka tomber là-dedans c'est entre 580 crédit score entre 580 à 619. Deuxième bracket ou capable tomber là-dedans c'est 620 à 639. Troisième bracket là, il trouvait en 640 à 559.
et quatrième bracket là, li trouvé la 660 à 679. Cinquième bracket là, eh bien, nous trouvé entre 680 à 699. Moun qui gen credit score qui 700 arrivé dans 739, eh bien, yon nan sixième bracket là. Moun qui gen credit score entre 740 à 759, eh bien, yon nan septième bracket là. Moun qui gen credit score qui entre 760 à 779, li nan 8e bracket la. 9e bracket la, li constitué de moun ki gon credit score de 780 à 799. Et 10e bracket la, c'est moun ki gagnen plus passé 800 nan comme credit score. Moun ki gen credit score ki 800, eh bien intérêt yo a pipiti parce tout le reste l'autre moun yo l'autre moun yo parce que moun sa yo prend soin credit score yo. Donc ou même qui besoin acheter kay ou doué konnen dans ki braquette ou tomber, parce que dépendamment de ki braquette ou tomber, eh bien intérêt yo a vini yon façon. Donc mais ça ou doué konnen, si ou kite credit ou descend ou bien monter par 20% au moins, ça a affecté intérêt ou à recevoir sous loan kay ou à acheter. Donc c'est ça qui fait en pile fois lorsque ou à acheter kay, il est important pour prêter attention à credit card ou à dépenser, à des monde qui fait maquette sur credit card, même s'il y a payé et tout en coût. Lorsque ou à acheter kay, il faut prêter attention, parce que sous ta va acheter sous credit card ou, et puis sous acheter à cause intérêt ou cause credit score ou à the end of the month, eh bien, on a calculé l'idée sans au moins 20%, eh bien, ça prend la cause de monter intérêt à sous. Ça veut dire, si credit score descend au moins 20 points, intérêt à venir pire. Si credit score monte 20 points, intérêt sous l'on à venir pipiti. Donc, il va dépendre de est-ce que credit score monte ou bien est-ce que credit score descend. Si credit score descend, eh bien intérêt a monté. Si si credit score monte, intérêt a descend. Donc, ou capable comprendre gagner yon inverse relationship entre intérêt ou à payer sur un loan kay avec credit score ou. Si credit score ou monte, intérêt ou a pipiti. On nous prend par exemple, imaginez ou gagne un credit score qui était 760. Et puis faut pour une raison pour une autre, yon bagay ou fait, eh bien credit score là vini 740. Si credit score était 760 et puis qu'on y vini de descendre 740, eh bien on pourra ouais que intérêt ou à payer sous loan kay ou voulez acheter à, eh bien li monte automatiquement. C'est ça qui fait les ouvrez acheter kay, li important pour préparer crédit ou pour ça. Ou ka fait ça pour compte si vous voulez, mais si vous voulez tout ou ka payer yon moun pour faire ça pour. Si vous prend poste ti moun piti ou, eh bien ou besoin yon moun pour aide au faire ça ou pa vle discipliner tête ou pour faire pour compte. Et l'a chargé ou pour ça. Bank yo qualifié moun ka prêter l'argent en 4 catégories. Gen des moun yo di ki gen pour crédit, gen des moun ki gen on fait crédit, gon groupe moun ki gen coup de crédit, gen on moun tout ki gen excellent crédit. Bien nous wè depuis ces moun ki gen plus crédit score yo plus passé 740, eh bien lende yo, moun bank yo, moun ka prêter moun l'argent pour acheter kayo, yo considérer moun sa ya gen bon excellent crédit. Plus crédit score wo, c'est pi ba intérêt ou vini. Moun ki gen credit score ki ou yo, c'est moun ki montre yo responsable dans affaire financière. Bank yo, lender yo, yo remen type de moun comme ça. Pas oublier, lè ou vle acheter kay, mwen parle ou dwe déterminer pou tè tou quantité l'argent total en gros ou entré par mois. Ou dwe chercher konnen tou prix kay ou vle acheter a. Troisième bagay ou dwe chercher konnen niveau credit score ou yé. Quatrième bagay mwen vle parle ou pour moment ça, eh bien ou dwe konnen combien l'autre dette ou déjà gagné par mois.
Ouais, lorsqu'on besoin acheter un caille, c'est pas juste aller devant un mortgage loan broker, un banque pour aller chercher qu'on est sur acheter caille, ou doit déterminer ça yo. Et quatrième bagaille ou doit déterminer, ou doit chercher qu'on est qui l'autre dette ou déjà gagné par mois. Là ou pral acheter un caille, ou doit prêter attention en pile à l'autre dette ou déjà gagné yo. Banque là utiliser quantité dette ou gagné par rapport à l'argent ou a fait par mois pour capable mesurer capacité ou gagné pour remettre ou bien payer mortgage kayoua. Banque là ou bien lender li vle assurer que ou ka gérer l'autre paiement ou a fait chaque mois yo sous l'autre dette ou gagné yo pendant en même temps ou en mesure pour payer ou bien remettre l'argent ou prêter nan mel pour acheter kayoua. Lorsqu'on va faire calcul ça, assurez que debt income ratio, ça veut dire et quantité de dette ou gagné par rapport à quantité l'argent rentré par mois gros qui gross income, eh bien il faut dire tout pour cette li 42%, mais pourcentage idéal ou doit chercher à c'est 36%. Donc si que ou pral acheter caille pour ou debt to income ratio 45 47 48 eh bien avant même ou al chercher côté loan officer pour do chercher pour do qualifier pour caille eh bien premier bagay ou doit chercher faire c'est chercher konnen qui ça ou ta va payer bien vite là pour permettre que debt to income ratio là eh bien li vini moins que 42% comme on déjà dit idéal loi chercher à c'est 36%. Si vous voulez calculer debt to income ratio pour contour mes paiements ou doit considérer si vous gagnez machine ou à payer faut mettre là-dedans. Si vous gagnez loan l'école, student loan payment qu'on a fait, ou doit mettre là-dedans. Si vous gagnez crédit carte, ou doit tout, ou pas doit mettre tout montant crédit carte là non, mais on doit mettre minimum paiement yo mandé pour payer crédit carte là chaque mois. Si mortgage qu'on kay ou pour l'acheter a, eh bien ou doit considérer là-dedans et pendant qu'on a inclus real estate tax and homeowner insurance là-dedans parce que fort souvent et l'a payé kay là et eh bien il inclut deux bagages ça yo là-dedans parce que gagne pile monde lorsque quitte le à la dernière minute dans dernière année pour joindre comme ça et eh bien son tête chargée et eh bien en pile monde cap service loan yo et eh bien yo mandé ou bien yo en pour considérer pour mes fonds escrow pour yo cette taxe là ensemble avec homeowner insurance là dans même mortgage payment là qu'on va faire yon l'autre bagaille ko yon l'autre paiement doit mettre en évidence encore là calculer différentes têtes ou gain c'est personal loan ou prend toute personal loan que ou prend qui capable figurer sous crédit report ou eh bien ou mettre le child support payment sous gain child support eh bien montant qu'on va payer pour petit pour child support là ou doit considérer le l'a calculer toute dette yo et en pile fois en pile nan nous gagnons sœur nous gagnons frère nous gagnons maman nous gagnons petite nous que nous co-sign loan ensemble avec yo même si c'est pas nous qui paye loan nan plus que nous signer loan nan avec yo eh bien nous doit mettre montant ça yo pour capable calculer montant total dette ou gagner eh ben ou ajouter toute dette ça nous saute parler là ensemble lorsqu'on fin ajouter montant ça yo ensemble eh ben ou diviser par quantité l'argent brut ou fait par mois ça veut dire gross income ou diviser dette ça yo par lui-même et c'est ça qui pral bon debt to income ratio là. On nous prend un exemple. Imaginez que par mois, gros income on vini $5,708. Et puis mortgage payment ou gagne pour sous caille là, eh bien c'est $1,750 qui gagne là-dedans pour payer des taxes, gagne là-dedans tout et assurance. Maintenant, imaginez qu'on gagne une machine, un bill machine, on va payer qui $350, ou gagne un student loan qui $120, et vous gagnez un crédit card bill qui est en mais minimum payment là, vous demandez pour payer sous l'IA, c'est $102.
sont donc pour capable connait combien détruyé total détruyé et bon ou doit prendre 1750 là ou doit prendre 350 pour bill machine ou doit prendre loan l'école là qui 120 ou doit prendre tout et crédit carte bill là qui 102 et puis ou ajouter un ensemble qui a ba ou 2322 dollars si bien calculé li. Maintenant, pour qu'on ait debt income ratio là qui s'allie, ou doit prendre 2322 dollars ça, ou diviser par combien qu'on vous fait par mois qui était 5708 dollars, eh bien ça aboyon debt to income ratio qui 40.7%. Yon debt qui 40.7%, eh bien li yon ti jan, eh bien challenging pour moun ka preto kob la, mais li capable edo qualifié pour acheter kay ou vle acheter. So, donc sous ce debt income ratio, c'est yon bagay qui évident que tout moun ka prete kob, tout banque yo yo chita sou li en pile pou yo konnen capacité ou sou pa fè défaut sou loan nan. Ça veut dire lorsque ou pral vle acheter un kay ou bien pral acheter un kay, c'est calculé les toutes dettes ou gagnent par rapport à l'argent qu'on rentre par mois, revenu qu'on rentre par mois en gros, et puis ou diviser et dette ça yo par gros revenu ça, et lorsqu'on fin fait ça, ça permet ou gon idée de combien riche ça lié. Pas oublier moi m'a parlé ou les ouvre acheter caille, gagne des bagages ou doit connaître, gagne 5 bagages ou doit connaître. Nous te parle le premier bagage ou doit connaître, on doit gagner l'argent total en gros ou rentrer par mois ou doit connaître prix kay ou vle acheter ya. Troisième bagaille mwen te di ou dwe konnen ki niveau credit score ou ye, et mwen te di ou tout gen 10 bracket credit score ça capable ye, et dépendamment de ki bracket ou ye, et bien intérêt ou ap yon façon. Pi wo credit score vini, c'est pi ba intérêt ou a pied. Quatrième bagaille ou dwe chercher konnen, ou dwe konnen combien dette ou gagnent déjà que ou a payé par mois, parce que ça a important pour moun ka prêt au cobla pour banque pour lender. Et cinquième bagaille et qui c'est dernier bagaille ou doit connaître ou doit chercher connaître, c'est combien closing cost là cosou a venir. Ça veut dire l'op pour faire closing, combien closing cost là lié. Donc la closing cost là c'est une autre dépense ou doit considérer, parce que c'est l'argent additionnel ou besoin pour capable payer closing cost là. Après fin gain down payment là ou besoin qu'on ait qui combien l'argent additionnel ou besoin à closing. En général, ou besoin à peu près 3.5% cob wap acheter kayla pour closing. Ça veut dire sou ou capable figurer combien cob à peu près capable joindre, et puis prend cob quantité cob ou pas acheter kay la multiplié par 3.7%. Et ça bon approximativement ou bien peu à peu près quantité cob ou a besoin en plus de down payment là pour faire closing. Pas oublier lorsque nous a parlé de closing cost, eh bien nous a parlé de différents items. N'a parlé de credit score, n'a parlé de inspection, loan origination fee fait partie de closing cost là, title insurance in the closing cost. Après zo on dans avec survey kay là, survey fee yo charge au fee pour faire survey là, eh bien tout ça yo considéré dans closing cost là. Homeowner insurance il fait partie, private mortgage insurance, mortgage point, ça veut dire sous ta remè ou descend intérêt sous cal, par exemple lorsque y a ba ou yon intérêt sou loan wap pran pou un kay, eh bien intérêt capable venir 6%. Mais maintenant ou di 6% trois gros nèg nda remè fon ti pipe, eh bien ou ka acheter pou 1%, ça veut dire pour descend intérêt a, yo capable descend intérêt a, ou tout ça yo fait partie closing property tax, closing or escrow fee. Gen des moun kap acheter kay yo ailleurs, attorney tout cob attorney lawyer sa yo, eh bien li fait partie closing cosa pour recorder transaction tout by gouvernement local yo, eh bien tout bagay sa yo et fait partie closing cost. Donc là prend crédit score, inspection, loan origination fee, title insurance, après zone survey fee, homeowner insurance, private mortgage insurance, mortgage point, property tax, closing or escrow fee recording, eh bien là mette tout bagay sa yo ensemble, eh bien li pral égal à peu près fond budget qui capable à peu près 3.5%
l'argent qu'on a acheté Kayla. C'est ça qui fait dépendamment de quantité l'argent ou gain serré pour acheter un kay ou qu'arriver dans un point côté ou d'accord bay moins scope pour down payment tout pour capable joindre assez scope pour faire closing là. Il est voté carrément pour le bail on 7% sous comme down payment, on 8% 10% sous down payment, mais par rapport à montant closing cost ou vin monter, eh bien on obligé c'est 5% down payment au point pour capable joindre assez de corps pour payer closing cost là ou du moins comme déjà dit l'argent qu'on a besoin pour capable faire transaction acheter kayla. Comme ça tout pas oublier que pour question down payment là, eh bien sous gain famille qui rend moins pile, eh bien yo capable faire don à homme. They can give you gift and then give ça yo capable utiliser li eh bien pour que ou capable faire down payment sous kayla. En conclusion, si vous pral acheter kay, ou besoin chercher qu'on ait 5 bagages. 5 facteurs sa yo capable aider ou évaluer situation financière ou et prendre meilleure décision cap bon pour. 5 facteurs sa yo c'est quantité l'argent total en gros ou rentré par mois, prix kay ou voulez acheter a, niveau crédit score ou yé et combien l'autre dette ou déjà gagné par mois et dernier bagay là c'est closing cost cap venir. Donc 5 facteurs ça yo c'est l'argent total en gros ou rentré par mois, prix kay ou voulez acheter a, niveau crédit score ou yé, combien l'autre dette ou déjà gagné par mois avec closing combien closing cost ou ka vini. Tendez, pas jamais entrer dans yon bagay ou pas comprendre. Information yo là. Cherchez informer tête ou avant même ou al chercher acheter kay. Plus ou konnen kote ou ye financièrement, c'est plus ou ka négocier pour chercher sa ka pi bon pour ou. C'était un plaisir pour m'te capable ensemble avec ou. Pas oublier abonner, subscribe à channel là. Plus ou fait ça, c'est plus ou capable senti moins motivé pour continuer porter information pour ou. Donc comme ou déjà konnen, non moins c'est Abner Aveus. C'était un plaisir pour m'te ensemble avec ou. Au revoir et à la prochaine.